Yes, we are the Red Cross branch. My name is François. Le corps des volontaires humanitaires européens est un nouveau programme qu'on met en place de la part de la Commission européenne et qui donnera la possibilité aux jeunes européens, jeunes et moins jeunes, de donner de l'aide en tant que bénévoles dans les actions humanitaires de l'Union européenne. So how would you qualify the situation before the 6th of September? Peace. Is there a need for a leading agency? No. No, there is no need for a leading agency. Who is in the driving seat? Who is doing the OD? The Federation. What is the Federation of Development. Great. And who is doing it? Federation. Okay. Les trois projets qu'on a choisis pour les projets pilotes de cette année sont vraiment des projets guidés par des associations qui ont une expertise énorme dans tout ce qui est l'aide humanitaire. Un projet donc de différentes sociétés nationales, la Croix-Rouge et la Fédération internationale. La formation se déroule en immersion, pour commencer, c'est-à-dire qu'on a les stagiaires en résidentiel pendant les 10 jours, avec un fil conducteur, sur tout le long de cette formation, qui est la mise en situation par rapport à une situation de catastrophe, qui implique les différentes composantes du mouvement, qui sont la Société nationale, donc la Croix-Rouge d'Alphaland, et puis la Fédération et le Comité international. We go in a country where it's war or something that looks like war. So it's a game, of course. But in the same time, it's for real. You will have food and drugs in your truck. Cette année, donc, avec le projet de la Croix-Rouge, on visait les projets de prévention et des projets de post-crise. En 2012, on aura deux autres dimensions en plus. Il y aura la dimension protection civile et réponse aux crises. D'ici 2014, on aura toute une panoplie de projets pilotes pour nous donner des idées et pour nous donner des éléments comment le corps peut fonctionner.